9. Je vais dégager le chat. En fait, je suis en train de fabriquer un meuble en carton. Et il y a du carton partout dans la pièce. Je suis en train de fabriquer une étagère pour mon bébé. Et elle est en train de déchirer ce que je suis en train de découper. Je reviens. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu la Beautiful Box du mois de novembre. Ce mois-ci, j'ai décidé de l'ouvrir avec vous. Je n'ai donc pas regardé le mail qui me donnait quelques informations sur le contenu de la box pour décorer avec vous cette routine qui a été pensée pour nous. C'est quoi la Beautiful Box pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Donc c'est une box beauté qu'on reçoit tous les mois où on peut s'abonner à l'année. Je vous laisse en dessous dans les informations le lien. Une routine qui a été pensée pour nous, qu'avec des produits clean, que des produits taille réelle, parce que les échantillons, c'est pas du tout engagé, c'est pas du tout clean, ça pollue, hein, faut dire ce qui est. Voilà, donc que des produits taille réelle et des vrais bons produits qui répondent à des critères. Donc le mois dernier, c'était une box avec un niveau super élevé. C'est pour moi une des meilleures box que j'ai pu recevoir dans mes années d'expérience de box. Voilà, j'ai adoré tester une routine complète de soins solides. J'ai adoré. Donc le niveau était très haut. Le mois de novembre, bah, j'attends de découvrir cette box. Et c'est maintenant, on le fait ensemble. Ambiance cocooning, c'est tout doux. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Profitez d'une ambiance cocooning parfumée grâce à vos 5 produits 100% Cosmé Bio. On parle du mois de novembre. Alors déjà, je vois une marque qui m'est familière, c'est la Farm 789, qui est une très très bonne marque que j'ai découvert grâce à l'équipe sublime, Alexiane, les beautés. En 2015, j'ai testé la Farm et c'était vraiment une super super marque. Mais j'ai pas tout testé et ça je connais pas. Donc c'est le masque visage peeling la Farm 1789. C'est d'ailleurs une très jolie marque avec des jolis packaging. N'hésitez pas à offrir la Farm pour Noël. Il y a un code si ça vous fait envie pour avoir moins 20% de remise, je vous glisse en dessous. C'est un masque visage peeling. Il y a à l'intérieur du kaolin, du beurre de karité, de l'huile végétale de macadamia, de la poudre de carotte. Voilà, à utiliser une fois par semaine. On laisse poser ou on laisse en couche épaisse en fonction de ce qu'on souhaite et comment on souhaite l'appliquer. Super marque, super produit, très très bon choix. Je suis toute contente, j'aime beaucoup la Farm, donc je suis très contente d'avoir un produit de chez eux. Alors, on passe au comptoir des huiles. Donc ça, c'est une marque que je ne connais pas du tout. C'est le produit qui est offert aux abonnés des mois d'avant. Produit vegan, éco-cert, cosmo organique. Donc c'est quoi ce produit-ci? Donc c'est un baume riche en huile de baobab, soin ciblé, visage et corps, zone très sèche et tiraillée. Alors, qu'est-ce que c'est? Inspiré de la belle île de Madagascar, les cosmétiques comptoirs huiles mettent à l'honneur les huiles végétales issues de la culture locale et durable. L'huile de baobab, c'est marrant parce qu'il n'y a pas très très longtemps, il me semble que j'ai découvert un produit avec de l'huile de baobab. C'était une huile pour les cheveux, c'était vraiment pas mal. Je connaissais pas l'huile de baobab, j'ai découvert du coup en 2019, ça sera ma découverte de l'année. Bon, parmi d'autres découvertes, mais je connaissais pas, j'avais jamais testé avant. Texture agréable, apporte un confort immédiat face aux agressions extérieures telles que le froid, le vent, la pollution. Alors ça s'applique sur le visage, le soir, appliquer une noisette de baume. On peut l'appliquer aussi au creux des coudes, jambes, talons, lèvres. Masser pour le faire pénétrer. On peut aussi l'utiliser sur le visage en soin de nuit. Je connais pas, je vous en reparle. Marilou, ça c'est une marque que j'ai rencontrée, que j'ai découvert au Victor de la Beauté. Donc c'est vraiment une très très bonne marque sur un autre produit. Donc je suis contente. Franchement, la Beautiful Box, ils cherchent à nous trouver des jolies marques. Donc Monoeil de Tahiti à eau avec beurre de karité et aloe vera. Ça sentir super bon, c'est chouette. Donc on est sur une crème de douche hydratante au Monoeil. Voilà, produit qui respecte les animaux et ce gel douche 5,90€. Produit EcoCert Cosmo Organique. Créé en 2010 par Benjamin, Marilou Bio a vu le jour avec l'envie d'offrir à toutes les femmes la possibilité d'acheter du bio en qualité, fabriqué en France sans se ruiner. Donc à prix tout à fait raisonnable, assez cool. Marilou, c'est aussi le prénom de la femme de Benjamin. Oh, c'est mignon. Donc voilà, à découvrir. Moi, je connaissais Marilou, la crème pour le visage. Je continue, je suis la routine. Hein. Donc en bas des cartes, il y a marqué « Passer à l'étape ». Donc là, on est l'étape 4, après, passer à l'étape 5. Donc l'étape 4, théorie des volcans. Alors, théorie des volcans, j'ai testé un produit de cette marque, mais alors pas la crème teintée. Donc ça, c'est une crème teintée. Alors, crème teintée CC 2 en 1, soins et maquillage, Cosmé Bio, lancée avec la Beautiful Box. C'est pour ça que je ne connais pas.
Les volcans sont le lien entre le passé et le présent. La légende dit que cette terre unique est douée de pouvoirs exceptionnels. Donc ça, c'est à appliquer sur le visage. Voilà, donc on le met au creux de la main et puis on l'applique sur le visage. On trouve à l'intérieur de l'huile de tournesol, riche en vitamine E, antioxydante, du beurre de karité et de l'aloe vera aux vertus hydratantes et purifiantes. Produit à découvrir pour le visage. Et je continue avec une crème nourrissante pour les cheveux que je ne connais pas. Donc crème nourrissante coiffante pour des cheveux souples et brillants, K pour karité. Cosmo naturel, cosmétique bio, lancée avec la Beautiful Box. La gamme K pour karité des laboratoires Ariland est en 2008. Donc à l'intérieur on trouve de l'aloe vera, vertu hydratante, ça va me faire énormément de bien. Je ne pense pas assez hydrater mes cheveux, je les nourris mais je les hydrate pas assez. Du miel d'acacia qui apporte brillance et hydratation et beurre de karité qui est riche et actif, restructurant et nourrissant. Mes cheveux sont toujours en demande, donc je vais tester avec vous. Hop. Ça sent bon. Je vais vous dire, ah, je suis contente, ça, ce type de produit pour les cheveux, j'adore, ça change des sérums, et puis même les sérums, j'en ai tout plein, franchement, mais des fois, on se demande ce qu'il y a à l'intérieur. Les filles, bon, et les garçons, si vous me regardez, ça sent super bon, c'est super agréable. Et c'est léger sur les doigts, donc je pense, ça colle pas, que ça plombe pas les cheveux, parce qu'il y a certaines crèmes pour les cheveux, qui sont d'ailleurs pas clean, qui te plombent les cheveux, qui te les font, il leur donne un bel aspect, mais alors pas terrible, pas terrible. Là, franchement, c'est tout doux. Ça sent super bon. Moi, j'aime bien. Ça, ce type de produit, la Beautiful Box, si vous me regardez, n'hésitez pas à en remettre. J'adore les produits pour des cheveux et surtout hydrater les cheveux. On pense beaucoup à les nourrir, mais alors l'hydratation, je suis la première à me dire tout le temps, regarde que ça m'hydrate, que ça ne passe pas que nourrir. Parce que mes cheveux ont besoin d'être hydratés. Donc je les hydrate en faisant des soins maison avec du yaourt. J'ai pas tous les jours le temps de faire la popote sur la tête. Ça c'est super. Alors, mon avis sur la Beautiful Box. Je suis ravie d'avoir un produit pour les cheveux qui hydrate, qui coiffe, qui sont bons, qui est vraiment très agréable à utiliser, qui redéfinit la coiffure, qu'on peut mettre sur cheveux mieux sec. Cool, vraiment très très contente. La farce, ça les filles et les garçons, on est gâtés. C'est une super marque, il y a un code en plus pour... faire des emplettes sur le site, bientôt Noël, n'hésitez pas, super super marque, très très bonne idée, merci à la Beautiful Box de nous avoir sélectionné cette marque. Marilou, c'est une marque qui est jolie comme tout, je vous dis, j'ai déjà testé Marilou et j'aime bien, donc le gel doux, je dis oui, en plus aloe vera, beurre de karité, ça va être super agréable, je vais le mettre tout de suite dans ma salle de bain, je vais m'en servir dès demain. Le baume, je n'ai pas d'avis sur la question, je ne connais pas, donc je vous en reparlerai. Surtout que là, bah, les températures ont baissé, je trouve que c'est une bonne idée. Si le baume est efficace, c'est super. Moi, c'est les mains qui sont vraiment très très fragiles. Donc, je mettrai ma zone à moi, c'est ici. Voilà. Là, le soir, j'ai mon petit mouchoir, je suis comme les enfants dans la manche. Le soir, j'en mettrai ici, je vous dirai. Et puis enfin, on est sur un produit beauté. Donc, vous savez que j'aime qu'il y ait des produits de beauté, type maquillage, dans les box. On est sur une crème teintée pour se mettre en valeur. Donc ça, c'est très chouette aussi. Coup de cœur, vous l'avez compris, pour ça. Et la part, vraiment de très très beaux produits. Du coup, c'est une box que je trouve plutôt pas mal. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'avais envie d'ouvrir cette box avec vous, de la découvrir. Chaque fois, je fais une vidéo qui est différente. Donc, des fois, je teste, des fois, je l'ouvre. Tout dépend, en fait, de mon envie du moment. C'est important aussi que je fasse comme j'ai envie. Hein, d'accord. On se retrouve sur le blog. Je vais vous donner mon avis sur tous les produits une fois que je les aurai testés. On se retrouve sur Instagram en story pour mon quotidien. N'hésitez pas à m'y retrouver. Sur YouTube pour des tops, des flops, des retours de brocante, des craquages. La vie, la vraie vie. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao.